Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, en ces jours et ces nuits très bénies de ce mois sacré de Ramadan, surtout en ces derniers jours, ces 10 derniers jours. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont la chaîne a bien besoin. Et un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, vos précieux conseils. Et également un merci tout spécial à chaque fois de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais abonnez-vous. On ne cesse de vous le répéter, mais abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, là où vous êtes tout simplement. Faites abonner, les faire abonner pour juste être informé des dernières nouveautés de votre chaîne. Et c'est ainsi que vous aidez les séquences vidéo et votre chaîne, bien évidemment. Et cette séquence vidéo ne peut s'empêcher d'évoquer ces ONG, ces organisations non gouvernementales qui exhument bien des cadavres entre ce MAC. Le MAC, c'est ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et exhume également un autre cadavre. Cet autre mouvement islamiste nommé Rachad. En effet, après un certain réquisitoire de ce vieux capot, Sey Chin Reha, Sey Chin Reha, il a dressé samedi dernier contre les organisations subversives, des associations algériennes ont pris le relais tout de suite après, pour pointer du doigt une certaine collusion, entre guillemets, entre le Maroc et patatras de nouveau les mouvements du MAC et de Rachad. Après une longue absence, mais vraiment une longue absence de la scène politique maghrébine, des associations algériennes exhument des corps en allégation, des allégations portant sur des soi-disant connexions entre le Maroc et ce mouvement d'autonomie de la Kabylie et un autre mouvement islamiste, Rachad. En tout cas, c'est ce que rapporte Ash-Shorouq Online. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que rapporte Ash-Shorouq Online. Nous faisons partie, écoutez bien, nous faisons partie du tissu associatif du pays, très remonté contre les pratiques des mouvements, le MAC et Rachad, classés, écoutez bien, organisation terroriste par l'État. Déjà, depuis un certain mois de mai 2021. Et il continue. Nous condamnons la subordination de ces deux entités au, écoutez, Mahzen, le Mahzen marocain. Décidément, il n'y a que ce Mahzen qui est en face. Et il n'y a pas aussi le Mahzen. Il y a d'autres services spéciaux. Vous savez lesquels? Israéliens. Le Mossad, pour ne pas le nommer, de l'entité sioniste, il faut le dire, qui veulent saper la stabilité de l'Algérie, paraît-il, et la mettre même à genoux, indiquent toujours ces ONG dans un communiqué publié ce lundi 10 avril dernier. Un petit morceau, juste un petit morceau, un petit extrait. Écoutez. Ces deux mouvements reçoivent des fonds importants. Ces deux mouvements, à savoir le MAC et Rachad, reçoivent des fonds
important des services de renseignement marocains et sionistes pour répandre, disperser la haine entre les Algériens, Algériennes et les pousser à se battre entre eux sur les réseaux sociaux, transformés en un outil, les réseaux sociaux, en un outil pour mener une guerre électronique basée sur la propagation de la haine, les fausses informations et les idées terroristes. Ce n'est rien que ça, très très peu. Et en riposte à toutes ces manœuvres, les associations ont mis l'accent sur l'unité du peuple algérien et son attachement à son unité nationale, et appeler à se hisser à la hauteur du défi auquel est confronté le pays et faire face à toutes les pratiques ignobles visant l'Algérie, son unité et sa cohésion sociale, ajoute cette même source. Un choror, donc, un choror online. Quant à ce vieux capot, le Seyed Chine Reha, équipé à des milliers de kilomètres. Il suffit qu'on cite son nom et sa puanteur se disperse. Tout en dégoulinant sur lui-même, il a donné le là, ce samedi dernier. Et nous allons voir ce qu'il en est. En effet, la publication de ce communiqué, son communiqué, signé notamment par des associations installées en Kabylie même, n'est pas le fruit du hasard ou d'un certain hasard. Cette publication intervient dans la foulée du discours prononcé ce samedi 8 avril dernier par ce vieux Manitou, paraît-il, chef des armées, cet ancien capot français, ce Seyed Chine Reha. Lors de sa visite d'inspection au siège du commandement de la gendarmerie algérienne. Et à cette occasion, et sans citer nommément le Maroc, le militaire vieillard a dressé un réquisitoire, comme s'il se trouvait au tribunal, contre les organisations subversives qui mettent à profit les moyens technologiques développés à des fins d'espionnage et de subversion en tentant de créer des situations de crise et de chaos en Algérie. Rien que cela, pas plus que ça. Et ce Chine Reha, finalement, s'est par ailleurs félicité des résultats très encourageants enregistrés dans le domaine de la contre-criminalité électronique, sachant que le cyberespace est devenu le théâtre, vraiment le théâtre, de crimes organisés et d'attaques contre les sites gouvernementaux. Fin de citation. Accuser le MAC et Rachat d'être à la solde du Maroc est devenu un marronnier de la politique en Algérie. Déjà, en mars 2022, une certaine revue, El Jiche, l'armée, avait pointé la connexion entre toujours ce malheureux Mersin et les deux organisations terroristes Rachad et le MAC. Qualifiant les membres d'être une poignée de traîtres et de mercenaires, tous ces gens qui ont bradé leur honneur et leur patrie, vous savez contre quoi? Contre tout simplement le dirham marocain. Et de nouveau, fin de citation. Des allégations rejetées en bloc par les deux mouvements d'opposition, Rachad et MAC, dans son rapport sur le terrorisme. Au titre de 2021, le département d'État américain a réfuté le classement par les autorités algériennes du MAC et Rachad sur la liste des organisations terroristes. Tout simplement du monde. Circuler, il n'y a rien à voir. Les États-Unis considèrent
que ces désignations sont motivées davantage par des considérations politiques que sécuritaires, car les deux mouvements, MAC et Rachat, sont très critiques à l'endroit du gouvernement et ne semblent pas avoir commis ce que les États-Unis définissent comme acte de terrorisme. Donc il n'y a rien à voir avec cela. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette évocation de ces ONG en chienne de garde, qui exhument des corps qui n'existent pas. Encore une fois, les connexions, entre guillemets, entre ce Mac et Rachad, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences vidéo, de vos séquences vidéo. Mais n'oubliez pas de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos connaissances partout où vous vous trouvez. Tout juste pour être informé. Et n'oubliez pas non plus de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne en allant chercher quelques adresses dans votre téléphone et un tout petit clic suffit. Et pour cela, ça va vous prendre juste un tout petit instant, pas plus que ça. Et quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il y a un liqa fi hissa ukhra, inshallah, ma'a salama.